Bien le bonjour tout le monde, ici Azarath, et on se retrouve sur une vidéo de MechWarriors Online, qui est un jeu d'arène, un peu comme World of Tanks, mais avec des mechas. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu mon mecha que j'ai acheté, pas avec du vrai argent, hein, je vous rassure, même si on peut, mais ce n'est pas un pay to win en tout cas. Mon mecha, voilà. Donc le voilà, il a quelques armes standards, hein, des lasers, etc. De toute façon, on va tout de suite se lancer dans une partie. Donc, juste petit point sur le cash shop. C'est principalement pour de la personnalisation. Et principalement pour acheter des mechas. Mais tous ces mechas sont achetables avec l'argent du jeu. Donc vous êtes pas, c'est juste pour gagner du temps en fait. C'est pas des trucs qu'on, c'est pas comme APB Reloaded où t'as des armes ultra cheatées que tu peux pas acheter avec l'argent du jeu, mais que avec du vrai argent et que voilà, tout le monde est surcheaté. Non, c'est pas comme ça. Donc ça c'est déjà un bon point. Donc c'est gratuit, free to play, hein. Et c'est assez, vous allez voir, c'est pas le typique mecha japonais qui saute partout avec des réacteurs qui se transforment et tout le bordel, non, ça n'a rien à voir. C'est assez lourd en mouvement, faut pivoter comme ça, les bras ne bougent pas, c'est vraiment de la baston, quoi. La baston, vous m'avez compris, voilà. Donc, les recherches de parties peuvent être assez longues, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de joueurs non plus sur ce jeu, décidément. Mais on finit toujours par trouver une partie en général. Donc là je filme avec frappe 160 fps. Alors j'espère que ça va aller, parce que je vois que j'ai des chutes de framerate rien que dans le menu. Je sais même pas pourquoi. À mon avis frappe s'il bouffe à mort, parce que il ne prend pas en compte Shadowplay. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Donc là il recherche toujours une partie. Allez mon coco, au pire je vais couper ça au montage. Quand tu veux. Ah ça y est, voilà. Ouais, bon, putain, je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais la vache. Heureusement que j'ai coupé ça au montage, parce que... il y a des limites. Hein. Donc, on est sur Frozen City. Donc, une carte plutôt froide. Hein. Mais, faut prendre en compte la température. Vu que c'est une carte froide, mes armes ne surchaufferont moins que si ce serait une carte chaude. Voilà, il fait moins 85, température ambiante. On a aussi la gravité, la quantité d'eau. Donc... c'est quand même un jeu qui est assez, entre guillemets, réaliste, même si c'est un peu dur de dire réaliste pour ce genre de jeu. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Eh ben c'est parti! On y va! All systems nominal. Donc j'en remets la vue cockpit, c'est la meilleure, voilà. Donc il y a un peu de brouillard, là c'est tout notre petit monde. Allez, c'est parti. Malheureusement, on va pas voir grand chose pendant cette partie. Les cartes sont assez grandes, c'est du 12 contre 12. On va partir avec eux. Donc... oula, non, ça c'est la vision nocturne. Comment on fait la vision thermique? Comment on fait la vision thermique? Non, W c'est pour zoomer. C c'est pour se remettre droit, V c'est pas ça, B... non, B c'est la carte, N... non, N, V c'est la vision nocturne. Je sais pas. Ouais, j'aurais peut-être dû voir ça avant, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, le but, c'est un peu une carte domination, où il faut tout simplement soit tuer toute l'équipe adverse, soit capturer les points, capturer le plus de points possible, et accumuler des points. Donc là, je pars un peu tout seul, je suis un peu en mode ouf malade. De toute façon, avec la vision thermique, on n'entend pas... on n'entend pas. On ne voit pas grand-chose non plus, hein, elle porte... il y a un mec. Il y en a pas qu'un. Ils sont là. Warning incoming. Oh, il m'a vu.
Et voilà, ça y est, ça commence. Ça commence. Je me suis trop avant. Ah, ils hésitent pas, les mecs. Hein. Je me suis un peu trop avancé. Je vais retourner avec mes potes. Alors, je vérifie mes armes. Merde, pourquoi j'ai pas mes missiles d'équipés? Bouffe ça, toi. Aïe, 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 aïe. Je vais me reculer parce que j'en prends plein la gueule. Alors, ils aiment bien le longue portée, apparemment. Le souci, c'est que dans une partie, c'est un peu comme World of Tanks. Vous êtes mort, vous êtes mort. Voilà, c'est pas comme War Thunder où vous avez 50 000 avions ou tanks. Touché. Oh, ils sont tout prêts. Je me fais défoncer. J'ai perdu toutes mes armes. J'ai plus qu'une arme, c'est la catastrophe. Ils m'ont arraché un bras. Medium pulse laser destroyed. Ils m'ont arraché un bras. Oh putain. Ah voilà à quoi ressemble la vue thermique. On y voit quand même un peu mieux. Alors j'espère que le son est pas trop fort, j'ai l'impression que le son est un peu trop fort pour vous. Tac tac tac, audio. Effect. Dialogue. Save. Ouais, je sais pas si ça a changé des masses. Bon, c'était catastrophique. Mais il va falloir attendre que le match se finisse. Là, j'ai l'impression que le son, c'est... Alors, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi qui dis des conneries. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, combien il reste? Oh, ça va durer 3 heures. Ah, le souci, c'est que quand on part de partie, votre mec n'est pas jouable. Il va falloir attendre que la partie se finisse. C'est un peu, voilà quoi. Donc c'est un jeu qui est vachement technique, stratégique et tout ce que vous voulez. Faut pas foncer dans le tas. Moi j'ai fait un peu de la merde parce que bon, la map je la connais pas et j'aurais dû rester. Ah, vous voyez celui-là, il est arrivé en surchauffe et il se fait défoncer. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on se fait tous rétamer, mais bon. Puis bon, la communauté, bon bah, pour l'instant, ça va à peu près. Mais bon, oh, à la moindre erreur, il y en a qui râlent, qui gueulent. Ouais, je suis avec des putains de noobs, c'est quoi ce délire? Enfin bon, comme tous les jeux de Versus, hein, de toute façon. Toujours des gueulards. Alors lui, il se fait défoncer là-bas, lui. Tous les missiles qui se prend à la tronche. Bon, on peut voir qu'on a 2 points. Eux, ils en ont 3. On a plus de points, cependant. Alors, je comprends pas trop, c'est la première fois que je fais le mode conquête. D'habitude, je tombais toujours sur des deathmatch, ce genre de truc. Mais je comprends pas, normalement, j'ai des missiles comme ça, là, les Artemis. Là. Normalement, j'en ai des missiles, mais pourquoi je ne peux pas les utiliser? Ça, je comprends pas. Peut-être que j'ai enlevé les munitions, ou je sais pas. Warning, incoming missile. Bien. Par contre, ouais, voilà, tu te fais défoncer dans le dos.
Aïe aïe aïe. Courage. Ou alors j'ai dit à frappe de film en 60 fps, mais j'ai l'impression que ça sert à rien en fait. Parce que. Ouais, 50 fps, ouais. Je suis même pas sûr que le jeu lui-même tourne à 60 fps. Peut-être quand je filme pas, je sais pas. Tu t'es fait défoncer toi aussi. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Des larges pulses laser, un ERPPC. Le RPPC c'est un gros canon Gauss. Par contre il se fait défoncer au corps à corps lui. Ah putain. Le mec il dit ah ouais c'est quand même différent de Modern Warfare 3. Bah oui quand même. Allez défonce-le. Oh bah non laisse tomber c'est foutu. Oh là là. Il se fait violer. Adieu. Voilà, le match a tourné court. Bon. Défaite. Hein. Fallait, je fais une vidéo dessus, fallait bien que ce soit une défaite, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc on va exit le match. Allez mon coco. Bon, j'ai quand même une récompense. Toujours, on gagne toujours quand même quelque chose, même si on perd. Donc c'est pas très... Voilà. On va aller dans le mec lab. Et je vais voir ce problème de missiles. Ils sont carrément pas équipés en fait. C'est quoi ce délire? Loadout. Alors, right torso. Donc c'est là qu'il y a les missiles normalement. D'accord, j'ai des munitions d'Artemis mais j'ai pas le lance-missile. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour mettre un organe de visée peut-être. Donc ouais, j'ai les munitions d'Artemis. Mais j'ai pas... Hein? Ah oui, il y a aussi les batailles de factions. On peut conquérir des planètes et tout. Mais j'ai jamais vraiment fait de partie là-dessus. Bon, c'est quoi ce problème de missile là? J'en ai pas d'équipé. Pourtant, j'en avais avant. What is the fuck? Donc là, j'ai 400 000. Tac, tac, tac. 480 000. Donc, je vais pouvoir prendre le SRM-4 Artemis. Je vais pouvoir en mettre deux. Le SRM-4 Artemis, c'est un peu... Ouais, il y a 4 tubes. Ouais. Bon, après, plus tard, je pourrais mettre ça. Ou carrément le LRM-20 plus Artemis. Distance. Ouais, et ça, c'est quoi? Ça, c'est clairement de la merde. Les missiles qui partent même pas à 300 mètres. Ça, c'est clairement de la merde. C'est le genre de truc que j'ai horreur d'utiliser. Mais bon, ça me fait toujours ça de prix. Bon c'est tout, on va se séparer là, c'était juste pour vous montrer le jeu, histoire pareil de le faire connaître, un peu comme StarMade, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de français dessus, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de français. C'est un jeu qui est sympa, se faire une paire de parties comme ça, ça peut être cool avec des potes et tout, faire des petites stratégies, ce genre de trucs. Je vais voir s'il manque pas autre chose, donc là, medium laser, medium pulse, ok. Là j'ai le large pulse. Là, j'ai deux petites machine guns de merde. Alors ça, la distance... Pff, c'est des mitraillettes, quoi. Ça, c'est pour le refroidissement, donc c'est bon. Ça, pareil, pour le refroidissement. Et à la tête... Pff, pour le refroidissement aussi. Je peux mettre aussi d'autres trucs, mais ça coûte très cher. Qui augmente le zoom, le portée radar, le temps de verrouillage des cibles. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser à fond son mecha. La couleur, etc. Bon, quand vous n'en avez pas au début, vous avez accès à... tac, 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 c'est où ? Save. Non, je vais les acheter, les trucs. Voilà.
Vous avez accès à des mechas dits trial, des mechas gratuits, en fait. Qui sont... Je ne sais pas où. Je sais plus où ils sont. Voilà, trial. Voilà, vous avez accès à tout ça, et pas de la merde, hein. Voilà, c'est quand même des trucs. Faut pas les faire chier, quoi. Le mien, celui que j'ai, il doit y être en trial. Ah ben non, il y est pas. Je pensais qu'il y serait, c'est pas celui-là. Celui-là, il est pas mal, le centurion, j'aime bien. C'est pas ce... Oh la vache. Alors celui-là, faut pas le faire chier. Ouf. Ah ouais, niveau armure. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est un peu genre celui-là, moi, que j'ai, hein. Ouais, non, même pas, c'est même pas celui-là. Non, il est pas dedans. Mais il y en a plein de différents. Il y en a des légers. Regardez, celui-là est tout petit, mais il court vachement vite. Il y a vraiment moyen de faire des trucs complètement perso. Alors, celui-là, putain. Pareil, ça a l'air d'être un monstre. Il a 4 lasers sur chaque bras, des canons, des machins, des gros lance-missiles dans le dos. Et niveau design, ils sont sympas. Ça change des machins japonais avec. Épais comme des brindilles là qui arrivent, qui sautent partout et tout, ça c'est pas trop mon truc. Je préfère du bon gros mecha en mode je te marche sur la gueule, voilà. Ça voilà, ça me plaît ça. Voilà. Donc c'est tout, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce jeu. N'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire. Je sais, c'était un match de merde, j'ai fait de la merde, il s'est rien passé. J'aurais bien aimé vous donner un gameplay un peu plus fourni. Si vous en voulez du bon gameplay, je vous en ferai. Y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez envie de vous faire une petite partie, eh ben contactez-moi et je me ferai une joie de jouer avec vous. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Je sais même pas combien de temps a duré la vidéo, ça se trouve. Ouais, elle a pas duré longtemps en fait. Elle a pas duré longtemps. À ce moment-là, j'en referai peut-être une autre. J'en referai une autre. Ouais, je vais refaire une autre. Je vais refaire une autre dans le mode, si possible, faction. Donc voilà, ça c'est ce mode où on peut conquérir des territoires pour sa faction. Hein. Et ça peut être très sympa, voilà. Donc allez, je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, et je vous dis à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!